2 Corinthiens 13, 5. Le Seigneur dit ceci. Je vais venir. Après, sachant que on peut vouloir être parfait dans tous les sens, mais tu n'empêcheras pas d'être critiqué. Hein. Ça, il faut vous le dire aussi. Hein. C'est pas parce que tu seras parfait, tu feras tout carré, qu'on ne te lancera pas les poils banales. Oh. Jésus qui était parfait de parfait, on l'a critiqué. Donc, on soit d'écart avec ça. Hein. Pas parce qu'il ne faut pas. On me dit que je suis moi, mon église. Non, attendez. Voilà, on dit là, on essaie d'être vrai avec les gens. Après, celui qui fait comme il veut, il fait comme il veut. Il dit examinez-vous-même, c'est ça? Oui, 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Et pour vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez plus accusé. Voilà, donc le Seigneur demande de nous examiner nous-mêmes, de nous éprouver nous-mêmes, de voir si on est vraiment dans la foi. Est-ce qu'on est là uniquement pour. Pour dire, je suis là parce que mon frère est là. Est-ce que je suis là parce que mon frère est là ou je suis là parce que j'ai compris l'évangile? Alléluia. C'est ça. Est-ce que j'ai compris l'évangile? Est-ce que j'ai compris? Alors, la dernière fois, on a dit, quand il y a des gens qui se donnent au Seigneur, bon, ceux qui n'étaient pas là, il y a des sympathisants au départ qui sympathisent avec le lieu, c'est pas mal, on dit, c'est pas mal l'évangile et tout ça. Et après, il y a des gens qui ont compris, qui poussent plus loin, ils deviennent disciples. Ils adhèrent à la doctrine de Christ. Ils comprennent qu'il faut passer. Le Seigneur dit, ok, pas de problème. Donc le Seigneur dit, en fait, voilà, on disait que, et ensuite il y a les intimes. Les intimes. Les intimes, ceux qui sont intimes. Les intimes. Sympathisants, les disciples, les intimes. Voilà, et les intimes, c'est ceux qui adhèrent, c'est ceux qui sont proches de Dieu, qui ont compris que, contre les vents et marées, ils veulent s'accrocher à Dieu. Ils veulent demeurer avec Dieu. Ils savent que les bénédictions, les choses tomberont. Ils savent que ce que Dieu a dit, ils sont certains que ça arrivera. Parce que n'oublions pas, on a dit Judas était un disciple. Ça n'a pas empêché qu'il trahisse Jésus. Donc même là, tu peux faire n'importe quoi en étant un disciple. Ah oui, il faut être un intime. Et un intime qui vit dans l'intimité de Dieu n'a pas envie de lâcher Dieu. Il faut tout faire pour entrer dans l'intimité. Il faut tout faire pour entrer dedans. Une fois qu'on rentre dedans, on est épanoui. Même si autour de nous, ça ne se comprend pas, on est heureux. Et après, on peut impacter, on peut toucher les autres. Mais au début, il y a pas mal de sympathisants. Les sympathisants, c'est la foule, en fait. C'est-à-dire, c'est la foule. C'est la foule. Après, il y a un tri qui se fait au niveau des disciples. Il y a un tri. Et après, il y a un autre tri qui se fait. C'est des filtres, en fait. Vous appelez l'éclairage aussi. Qui ça? L'éclairage, c'est celui qui est là, justement. Parce que quand tu parles d'éclairage, c'est un éclairage, celui qui est clair, qui donne la voix, le chemin. C'était Moïse, par exemple, qui était un intime de Dieu. Donc, non, c'est la foule des sympathisants. Ils sont sympathiques, ils trouvent ça sympathique. Ils sont juste là, c'est pas mal, c'est bien, c'est super, mais le cœur n'est pas attaché. Non. Et après, ils deviennent disciples. Là, le cœur commence. Et après, ils se disent, il faut que j'aille plus loin. Comme la dernière fois, j'ai envie d'aller plus loin avec Dieu. Mais là, tu vas rentrer dans l'intimité du Père. Et la présence en permanence ne te lâchera pas. C'est ça que Dieu veut. Et tu apprendras là, la sainteté, ce sera une chose normale pour toi. Tu diras, il faut que je me sanctifie. Sinon, tu restes... sinon, il y a d'autres qui restent là. Et puis, quand ça l'apprend, bon, je suis là encore. Voilà. Mais Dieu veut... qu'ils deviennent ça, et ensuite qu'ils deviennent ça. C'est le plan de Dieu pour chaque être humain. Que tu sois intime, attaché à ton Père, lié à ton Père, à l'intimité de Dieu. C'est ça que Dieu veut, ça que le Seigneur veut. Eh oui. Donc tu vois, le Seigneur me demande de nous éprouver, de voir si nous sommes dans la foi. On va voir ce qu'on fait. Qui croit en ce qu'il a demandé ce matin au Seigneur dans sa prière? Si vous croyez, vous voulez les miracles de Dieu. Ah, tu ne crois pas? Non, mais je suis libre. Ah oui, d'accord. Bon. Non, mais j'y crois tout, je ne crois pas. De toi à moi. Bah, de toi à moi. Oui, ça, ouais. C'est ouais. Sûr que... Ouais, parce que j'y crois. Oui, non, c'est bien. Non, mais c'est bien. Et puis moi, c'est encourageant. Je ne peux que tant vous encourager. Mais c'est bien de voir des gens qui veulent s'engager un peu plus avec. C'est bien. Et on sait que Dieu touchera. Et c'est bien, c'est le seul ministère, et plus tard on verra. Moi, c'est bien, on ne peut que. On bénit Dieu, et puis voilà. Et pour votre discrétion. Voilà, je sais tout. Gloire au Seigneur. Donc, regarde. On voit ensuite, le Seigneur nous dit ceci. Donc, il est important de s'éprouver. Pour voir. C'est moi. Non, ça n'est pas avec toi. D'accord. Oui, mais bon, c'est une chose. Ouais, non, mais bon.
Non, mais Dieu est bien, Dieu fait de belles choses, et puis Dieu fait de nous un nouvel homme. On est transformé, on est tout, on comprend. C'est bien, c'est merveilleux. Enfin, je dis rien, mais bon, on verra plus tard. Voilà. Donc, tu vois, mettez-vous, éprouvez-vous vous-même. Il faut s'éprouver. Voir si vraiment je suis dans ce que je dis être. Parce qu'il y en a qui se disent, je suis chrétien. J'ai reçu la parole. Mais est-ce que je suis vraiment dans ce que je dis? Est-ce que je suis vraiment dans ce que je dis être? Est-ce que je ne cours pas après les vents de doctrine? Est-ce que je ne cours pas après les gens? Est-ce que je ne cours pas après les ministères dans tous les sens? Ou est-ce que je crois? Est-ce que je suis attaché au sept? Est-ce que je veux la croissance de mes frères, la croissance de... Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est ça dans la foi? C'est le mystère de la foi, en fait. Le mystère de la foi est grand. C'est ça le mystère de la foi. C'est ça le mystère de la foi. Est-ce que je travaille contre mes frères? Ou est-ce que je travaille pour mes frères? Est-ce que je travaille pour l'église? Je travaille pour moi-même, pour mon ventre. Je dois... C'est vrai que parfois, je dois me dépenser. Enfin, quand je ne dis pas se dépenser, non, pas pour son église, je dois en fait vouloir l'avancée de mon église. Je dois vouloir que Dieu fasse... Je dois le vouloir, ça. Je dois le désirer, ces choses-là. Je dois désirer ça. C'est pour ça qu'il dit, mettez-vous vous-même à l'épreuve. N'attendez pas une prophétie. N'attendez pas quelqu'un de Dieu. Dieu veut dire, toi, tu n'es pas dans l'homme. Non, éprouve-toi toi-même. Puisqu'on a dit ce matin, pour ceux qui n'étaient pas là, nous sommes le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Dans la semaine, je ne sais pas à quoi, qu'est-ce qui sera ici, qu'est-ce qu'ils feront. Ce sera un dîner d'affaires, je ne sais pas. Ou ils parleront de quoi, je ne sais pas. Mais nous, nous avons dédicacé ce temple-là, ce lieu-là, par notre foi, par la présence de Dieu en nous. Nous avons décidé, tu vois la puissance de ce que tu es, de ce que tu transportes. C'est toi qui as le pouvoir, en fait, de transformer l'endroit où tu es. C'est toi qui as le pouvoir de changer l'environnement où tu es. Ah oui? C'est toi qui as ce pouvoir-là. C'est toi qui as cette autorité-là. C'est toi qui décides que ta maison sera une caverne de démons ou pas. C'est toi qui décides. Amen. C'est toi qui décides. C'est toi qui dis, ma maison, c'est comme ça. Comme disait dans Actes des Apôtres, Philippe, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est toi qui décides, en fait. C'est toi, en fait, qui décides ce que tu veux. Même si les gens qui sont au milieu de toi, dans ta maison, ne sont pas peut-être de la même, enfin, la même doctrine que toi, c'est toi, avec le temps, ta persévérance qui fera, qui va attirer la gloire chez toi. C'est toi. C'est pour ça qu'il ne faut jamais, jamais baisser les bras. Jamais baisser les bras. Jamais. On m'a parlé du Seigneur. J'arrive dans l'église. Après, j'assiste à un culte. Le lendemain, je ne suis plus là. Mais... Et après, Dieu après m'a réattiré. Pourquoi? Parce que peut-être que les gens ont intercédé pour moi, les gens ont prié pour moi. Et après, m'ont laissé avancer tout seul. Donc, c'est notre rôle, prier pour les gens, intercéder pour les gens, vouloir que Dieu crée des changements, crée du changement dans la vie de ces personnes-là. C'est notre rôle. Ne pas rester sur le statu quo. Ce n'est pas parce que quelqu'un te parle de manière virulente en te disant, « Ouais, mais de toute façon, je ne changerai pas, j'arriverai pas, je ne ferai pas ci. » Ce n'est pas parce qu'il dit ça que ce qu'il dit arrivera. Non, ce qui arrivera, c'est ce que Dieu dit, en fait. C'est ça la foi du chrétien, c'est là. C'est pour ça que quand on prie, on dit, nous allons faire tomber les forteresses, tomber les murailles. Non, muraille c'est quoi? Forteresse c'est quoi? C'est les raisonnements que les gens, les schémas de pensée que les gens ont mis dans leur tête. Ils ont dit, Jésus, j'en veux pas. Ça, c'est ce qu'ils disent. Mais il se trouve que, moi, je dis, quelques années avant, en arrière, je ne pensais jamais être là en train de parler du Seigneur, jamais. Non, voilà. Mais Dieu te surprend. Dieu t'étonne. Dieu t'impressionne. Et tu dis, mais Seigneur, c'est merveilleux. Pourquoi? Parce que c'était le temps pour toi, c'était ton appel. C'était ton temps. Donc, ton temps n'est pas le temps de l'autre. Si l'autre baisse la garde, si l'autre va à tatillonnant, toi, tu laisses l'autre aller à tatillonnant. Toi, tu dois avancer, donner le bouclier. Ah oui? Ah non, tu dois avancer. C'est en avançant qu'on tire. Comment est-ce que tu pourras tirer quelqu'un si tu n'avances? C'est pas possible. Vous allez rester dans le bourbier, vous embourber tous les deux. Mais non, tu tires la personne parce que, et tu sais, parfois il y a des gens quand ils sont coincés dans un trou ou bien dans la boue, je ne sais pas, dans le sable mouvant ou dans l'argile, je ne sais pas, mouvementé, tout ça. Tu les tires, tu vois, ils sont engouffrés. Et toi, tu les tires, tu es à l'extérieur, tu les tires et après tu les sortiras. Mais si tu ne le fais pas avec force, avec violence, mais ils vont t'entraîner dedans. Amen. Il y a quelqu'un, je crois. Ils vont t'entraîner dans ce sable mouvant. Donc, c'est toi qui dois entraîner. Peu importe le temps que ça prendra.
tu entraînes les gens vers toi. Tu tires vers toi. Quand une occasion favorable arrive, tu tires vers toi, cette personne-là. Avec violence. Mais pour ça, tu dois d'abord demander, Seigneur, remplis-moi. 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 C'est pour ça qu'on parle ce matin, on parle de la confiance en Dieu. La confiance. Regarde, prends Jérémie 17, 5-8. Jérémie 17, 5-8. Moi, quand je vois le Seigneur nous visiter comme ça, nous remplir par sa présence, quand on chante, quand on prie, je ne peux que croire qu'une chose, que Dieu fera ce qu'il a à faire. C'est tout. Mais c'est une question de temps, comprenez ça. Je sais très bien comment Dieu appelle. C'est très bien. Mais quand le Seigneur nous a appelé, on n'a pas dit tout de suite oui, en deux secondes, tac, tac, il fera ça. Non, on a compris qu'on s'engage dans une chose de foi. Et on sait que ça marchera, c'est tout. Voilà, parce que notre Dieu marche devant nous. Chapitre 17, c'est ça? Quoi? Chapitre 17, verset 5. Oui. Alors, on a compris que ça marchera. On a compris ça. C'est pour ça qu'on tient bon. C'est pour ça qu'on tient le cap. Moi, je vous dis, mais quand vous voyez, si tu es une personne qui n'est pas séduite par ce que tu vois, je te promets que tu y arriveras. Mais si tu es séduit par ce que tu vois, tu risques de faire fausse route. Ceux qui marchent, mais c'est ça, marcher par la foi. Nous ne marchons pas par la vue. Même Paul dit, nous marchons par la foi. Par la foi, nous marchons. Nous marchons par la foi, pas par la vue. Regarde, la vision que Dieu met dans mon cœur. Tu ne sais même pas. Tu verras au fur et à mesure la chose se dessiner. Là, je peux te parler de beaucoup de choses, moi qui me fais comprendre. Tu ne comprendras rien, tu ne vas pas comprendre comment est arrivé. Hein? Tu ne vas pas comprendre. Mais je sais ce qu'il me dit, et je sais où je vais, je sais où on va. Eh oui, mais tu ne peux ne pas comprendre. Eh oui, tu vas dire, ouais, mais alors, non, je dis, non, alors comme ça. J'ai vu les gens du ministère, ils ont été têtus. J'ai dit, non, on va comme ça, vous verrez comment. Et voilà, ils ont vu la chose se faire. Ils ont dit, ah bon, on ne savait pas. Ben oui, voilà. Pour vous montrer que Dieu parle. Pour montrer que Dieu parle dans la couche. Dieu parle à ses arrivées. Si, Dieu la parle. Parce qu'il sait qu'il y a d'autres qui doivent naître dans le ministère. Mais et justement, il faut que tu vois comment la foi se manifeste. Il faut que tu vois quelqu'un qui est avec quelques personnes. Et après, les choses se déploient. Tu te dis, ah bon, ben oui. Et comme ça, tu seras encouragé, tu comprendras que ça marche. C'est ça. Et là, tu comprendras. C'est pour ça que je ne peux pas baisser les bras. Et tu dois copier pour rester fort, justement. Et comprendre que ça marche. Merci Seigneur. Ça marche cette histoire de foi. Ça marche, ça fonctionne. Eh oui. Il y a des gens qui ont... Ah ouais, ça marche cette histoire. Mais donc, c'est mon rôle, ça. C'est ça. Je dois rester, tu dois garder le cap. C'est comme ça, le cap. Et puis voilà, c'est comme ça. Et puis, vois les choses en place se faire. Voilà. Là, ça se trouve, tu es assis là. Demain, tu ne sais pas, dans quelques mois, ce que tu feras au sein de l'église. Tu ne sais pas. Voilà. Même des choses que Dieu peut me donner de comprendre. Mais tu verras avec le temps. Parce que si on dit tout à une poule, ben la poule peut mourir. Donc, tu vois, c'est avec le temps, la poule voit au fur et à mesure comment ça se fait. Parce que ça peut devenir une noix qu'on garde et ça fait du foie gras. Et après, c'est pas bon. Après. Même si c'est bon à manger. Voilà, tu vois comment ils ouvrent les becs des canards, ils envoient le maïs, ils envoient tout ça dedans. Tu vois, c'est impressionnant. On les rend malades. Voilà, en fait, quelque part. Après, t'es content. Bon, après, t'es content, tu manges du foie gras, mais ta vie, elle souffre. Tu vois, en fait, il faut souffrir pour toute chose. Tu es content, tu as la loi, la belle loi, elle a souffert, enfin, le canard ou tout ce que tu veux. Et d'après, tu arrives à Carrefour, tu te payes un bon foie gras, mais le petit oiseau, voilà, il a souffert. Voilà, c'est en batterie comme ça, tu vois. Quoi, tu vois, voilà, il était content après. Non, mais voilà, c'est juste la parenthèse. Mais pour te dire qu'en toute chose, il faut souffrir. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. C'est possible, le bonheur. Nous, on croit en mariage ici. Mais bien sûr, on croit que ça marche. On croit en ces histoires. Ça marche. On croit que ça marche. Donc, si toi, dans ton cœur, il y a ce désir-là, Dieu le fera en son temps. Mais il faut, on croit en ça. Mais en Christ, ça fonctionne. Ça marche. Voilà. Regarde, le Seigneur dit quoi? Tu peux lire 17:5. On croit en ces choses-là. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Voilà. Qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les nuits brûlées du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant.
Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Tu vois, il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient. Pourquoi? Parce qu'il se confie en l'Éternel. La chaleur, ça peut être quoi? Ça peut être des problèmes, ça peut être des soucis, ça peut être le découragement, la chaleur. Tu vois, ça brûle, ça chauffe. Tu ne l'aperçois pas, ça peut être les épreuves, si tu veux. Tu ne l'aperçois pas. Pourquoi? Parce que l'Éternel marche avec toi. Pourquoi? Parce que tu te confies en l'Éternel. C'est pour ça que même dimanche dernier, on disait, ne vous confiez pas dans les gens. Non! Vous allez vous planter. On se confie en Dieu, uniquement. Et après, on aime tendrement les êtres humains. Mais on se confie en Dieu d'abord. Même un membre de ta famille peut te couillonner. Amen. On verra avec Joseph tout à l'heure. On verra, puisqu'on, bon, je n'invente pas, c'est biblique, hein, c'est marqué. Hein. On verra tout à l'heure. Et tu vas voir que si tu te confies en Dieu, et tu verras que Dieu en tout temps te donnera la force. Ça ne veut pas dire qu'il faut haïr les gens. Non. Comprenons une chose, c'est que même si je suis dans une même famille, tu es un être unique. Tu as un esprit qui est unique. Même si tu ressembles à ton frère et ta soeur, tu as un esprit qui est unique. Ce n'est pas parce que tu es né dans la même famille que ça y est, tu dois faire confiance à ta famille avant de faire confiance à Dieu d'abord, qui t'a donné une famille. Dans Colossiens, Dieu parle des dieux des familles. Dieu qui a donné tout nom en fait à chaque famille, sur le ciel comme sur la terre. Voilà! Donc, il faut arrêter de pleurer parce qu'on dit « Ouais, mon famille, c'est ouais, mon fils, ouais, ma tante, fille, elle ne croit pas. » Non, toi tu crois, c'est l'essentiel pour le moment et Dieu a son temps pour chaque personne, c'est comme ça. Est-ce que tu peux sauver quelqu'un? Tu ne pourras pas le faire. Voilà, mais toi déjà, marche droit et puis peut-être que tu le verras paradis à cause de ta marche. Voilà. C'est ça que les gens ne comprennent pas parfois. Il y a parfois des gens qui ont dit, oui, mais il n'a pas de cœur, il n'a pas de souci. Mais quoi? Mais comment? Mais il connaît, il aime sa famille. Mais il sait que si, il fait marche arrière. Mais tout le monde va dans la gêne. Mais si, il avance droitement. On ne comprend pas. Ton salut, ce n'est pas que pour toi. Il y a des gens que tu vas attirer derrière. Toi et toute ta famille, vous serez sauvés. Mais déjà, il faut que toi, en étant chef de ta famille, parce que Dieu t'a attiré à lui, tu puisses éclairer. Eh oui. Tu puisses éclairer. C'est ça ton rôle. Regarde, prends Proverbe 3, 5, 8. En fait, aujourd'hui, la force du chrétien, c'est quoi sa force? C'est de lire une parole et de s'appuyer sur la parole et de croire que ce qu'il a lu se fera. Je vous ai dit, c'est pour ça que celui qui reste en arrière, non, toi, il faut avancer, avance. Tu les verras après, tu les verras, mais il faut avancer. Mais attends, le diable, il a plusieurs techniques. Si toi, tu freines, tu baisses tes pieds, tu rebrousses ailleurs, mais tu donneras raison aux autres personnes. Mais si toi, tu avances, mais comment est-ce que tu veux tirer quelqu'un si tu n'avances pas? Tu es obligé, c'est un principe simple. Tu es obligé de tirer les gens pour faire avancer les autres. Tu n'as pas le choix. Si tu dis, bon, mais finalement, vous avez raison, ouais, mais on laisse tomber cette histoire de Dieu, c'est pas vrai, voilà, ben, le diable, il aura fait ce qu'il veut faire, et tout le monde en arrière. Voilà. Non. Justement, le temps que ça prend, où tu te sens éprouvé, Dieu est en train de te façonner, et tu verras, quand tu sortiras de cette épreuve, tu diras, Seigneur, heureusement que j'ai tenu, là, je me sens plus fort. Mais oui, parfois, Dieu permet l'épreuve, oui, mais pour nous rendre fort. Eh oui, pour que nous puissions plus intercéder, que nous soyons plus forts, plus vaillants dans la prière. C'est pour ça que je bénis le Seigneur pour ce matin. Ah oui. Et ça, c'est rien, ça. On peut arriver comme ça un jour, on dit pendant 3 ans, on ne fait plus rien qu'il prie, rien que rien qu'adoration. Ah oui. Pour démonter toutes les murailles, démonter les forteresses qu'il y a dans l'invisible et tout ça. Pour frayer un chemin, la prière. Il y a une dame, tu vois, qui disait ça en Australie, dans un ministère, je crois, pastoral là-bas. Il disait, en fait... Elle disait, vous savez, nous les gens, ils nous envient par rapport à ce que nous on fait dans le Seigneur. Mais si vous savez, on avait 3 offices le dimanche. Et tous les 3, ils étaient là. Elle dit, si vous savez comment on s'est battu pour voir. Les gens parlent de réveil, mais les gens ne veulent pas se battre. Les gens ne veulent pas se lever dans la prière. Il faut jeûner, il faut prier, voilà. Même si tu jeûnes que 5 heures ou 3 heures, fais-le au moins. Tu sautes en repas, fais-le, voilà. Ça va faire grandir ta foi. On ne se gaffe pas que le croissant, le pain au beurre, c'est pas tout, c'est un temps. Mais il y a un temps où tu peux t'en priver, tu t'en prives pour grandir dans la foi. C'est comme ça. Je n'ai pas envie d'être gras comme un canard tout le temps, ça ne m'intéresse pas. Il y a le moment où je mange, même parfois je fais des excès. Il y a le moment où je m'abstiens parce que je veux que mon esprit, mon âme soit éclairée, qu'il soit fort et puissant. Et quand tu pries, quand tu prends autorité, tu sais que ça marche. Voilà.
Parce que ton esprit, tu le fais travailler. Il n'y a pas de pure frustration après avoir prié, d'avoir le cœur sec, pas dans la joie. C'est un signe que tu n'es pas sûr que Dieu répondra à tes prières. Mais quand tu as prié, quand tu es en paix, la paix de Dieu te garde. Dieu dit, j'accomplirai la chose, sois juste à lui. Après avoir prié, j'ai dit c'est dans ce contexte, après avoir prié, voilà, d'accord. Donc, après avoir prié, ça veut dire que tu n'as pas confiance en ce que tu as demandé à Dieu. Bien, ta communion, elle n'est pas. Quand tu pries et quand tu es en paix, quand tu es dans la joie, quand tu as le cœur, on va dire desserré, quand tu es heureux, c'est, et tu sais que Dieu va agir, tu sais. C'est pour ça que dans ce cas-là, si tu n'es pas sûr, il faut développer ta communion avec Dieu. Développer. Comment ça se fait? Mais prendre le temps de prière, même quand tu es chez toi. Tu pries, prends le temps de prier et ça va développer ta foi. Ça va te donner. En fait, on dit l'appétit vient en mangeant. Plus tu vas prier, plus tu vas prier, plus tu vas prier, plus tu vas façonner, tu vas donner à manger à ton esprit qui est à l'intérieur. Comprenez ceci. L'esprit est tellement réel. Il y a des gens, bon, ils ont une autre orientation. Il y a les bouddhistes, il y a d'autres personnes. Qui sont là, ils sont en Inde et tout ça, bon, ils s'habillent pas, ils font la truc, le mantra, tout ce que tu veux. Mais, et bon, c'est le diable qui leur communique ça, mais ils ont compris que l'âme, l'esprit est réel. Ah oui. Et pourquoi tu vas dire, toi, si tu n'as pas une voiture, tu es en train de pleurer, mais eux, ils sont tout au fond, ils sont là, ils sont contents. Bon, ils méditent, ils font leur bêtise. Pose-toi la question. Le diable peut révéler ça aussi, mais après, c'est enfer. Mais il te demande par là que ton âme, ton esprit est réel en toi. Et si tu capitalises de ce côté-là, ton âme, ton esprit, tu verras que tu sauras te suffire avec ce que tu as. Et même si tu as certaines choses que tu n'as pas, tu ne vas pas crier, oh, j'ai pas assez, j'ai pas. Non, tu sauras te suffire avec. Et Dieu après rajoutera. C'est ça en fait. Ils ont compris. C'est pour ça que tu vois les gens, des moines et tout ça. Parce qu'ils travaillent dans l'esprit, mais dans le mauvais côté, on est bien d'accord. Mais c'est juste pour te faire comprendre que l'esprit est réel. Tous les autres sont, on est fous, qu'est-ce qu'on veut? Nous, c'est les choses de la vie. On veut une nouvelle voiture, on veut une nouvelle maison, on veut ça, on veut manger, on veut tout ça. Mais dis-toi, pourquoi? Parce que le diable qui est esprit peut aussi communiquer ça, même si après, c'est pas bon, c'est pas la bonne direction. Mais c'est pour te dire que c'est des êtres humains comme toi. Et Christ nous révèle l'esprit. Et Christ nous dit, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole venant de moi. Pourquoi? Parce que tu as une âme, tu as un esprit en toi. Et Dieu est esprit. Et Dieu veut communiquer avec ton antenne qui est l'esprit. Tu as deux antennes en toi. Tu as la chair qui est une antenne qui communique avec ça. Je touche ça, ça c'est mon antenne. Je suis en contact avec le monde physique. Voilà. Et j'ai mon antenne spirituelle qui est en contact avec le monde spirituel. Le Saint-Esprit et tout ce que tu veux, les anges et tout ça. Oui. Et Dieu est esprit. Et j'ai mon âme au milieu, qui est la tour de garde. Elle va d'un côté ou d'un autre. Et là-dedans, j'ai la décision, le pouvoir de décision. David dit quoi? Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénit l'Éternel. Parce qu'il a compris que ton moi, ta personnalité, ton âme, c'est toi qui choisis, soit l'esprit, soit la chair. Dieu t'a donné cet esprit-là pour que tu puisses justement te connecter aux choses de l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre avec la chair ici-bas, mais que tu sois plus positionné dans les choses de l'esprit. Et là, tu seras fort. On se suit. Donc, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Pourquoi? Tu verras. Et béni soit celui qui se confie en Dieu. La chaleur passe, il ne voit pas, il ne tombe pas, il ne meurt pas. Pourquoi? Parce qu'il est heureux. Et oui. Regarde, prends Proverbe 3, 5, 8. Confie-toi en ténèbres de ton cœur. Attends, on avait déjà dit? Proverbe 3, 5, 8. Ok, vas-y. Confie-toi en ténèbres de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira les sentiers. Ensuite. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et ne crains point du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Ça, ça m'intéresse. Et à chaque fois, quand je me suis donné au Seigneur, ce sont des passages clés comme ça. Je me rappelle, je disais ça dans le métro, c'est des passages clés comme ça qui m'ont fortifié. Regarde, Dieu parle de santé divine, là. C'est très sérieux. Là. Regarde, ne te prends pas, si on remonte sur le Saint, confie-toi en l'Éternel. De tout ton cœur.
et ne t'appuie pas sur ton intelligence ou ta sagesse. Reconnais reconnais dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais que parfois, quand tu passes un petit peu par un chamboulement dans ta vie, c'est lui qui permet certaines choses pour t'amener où il veut et te faire vivre le bonheur qu'il veut pour toi. On ne rentre pas dans le bonheur comme ça, non. Le bonheur vient après le chaos. Après le chaos. Et c'est toujours comme ça. Regarde, quand tu vas dans Genèse, quand le Seigneur a créé l'être humain, et après, on a vu, il a dit que les mers grouillent et machin, les poissons. Ouais. Le Seigneur dit la terre était informe et vide, et les ténèbres régnaient. Et dans les ténèbres, il a parlé. Et après, Adam, Ève, tout le monde est sorti, tout le monde est devenu heureux. Il y a eu Adam a nommé les animaux, et tout le monde était dans la joie. Voilà. Mais il a fallu que justement, il a fallu que le Seigneur, en fait, il a fallu qu'il y ait le chaos avant. Et les gens disent que ce chaos était dû à quoi? Ce chaos était dû en fait à la chute du diable. Bon, voilà. C'est pour ça qu'on voit bien que quand Adam et Ève étaient dans le jardin, le serpent est venu, le diable dans le serpent est venu séduire Ève en fait. Voilà, donc il a vu la création. Il avait décidé en fait de détruire la création. Il a vu quand Dieu créa. Dieu l'a chuté. Donc Dieu, beaucoup attribuent ça justement à la chute du diable. On dit la terre était informe et vide, les ténèbres régnaient. Et Dieu parla. Mais Dieu a créé Adam et Ève dans ce jardin pour qu'ils puissent dominer. Il a dit dominer. Dominer. Parce qu'il savait qu'il va. Mais malheureusement, ils ont été séduits. Mais le second Adam, qui est Jésus-Christ, est venu et a dominé sur le diable pour nous dire qu'en moi, vous pouvez triompher. C'est pour ça que quand tu me dis, je suis faible, oui, d'accord, mais en Christ, si tu t'appuies, et Jésus est la parole de Dieu faite chair, et la parole est Dieu. Donc Jésus est Dieu. Donc si tu te confies en Dieu, en Emmanuel, Dieu parmi nous, la force habite en toi, l'autorité habite en toi, la puissance habite en toi. Et c'est lui qui, avec le temps, te sanctifie. L'erreur qu'on fait dans le monde chrétien, c'est avec cette histoire de baptême, là où on prend des années, des machins, tout ça, on commence à penser qu'on va être justifié par les œuvres. Et ce n'est pas bon. On ne peut pas être justifié, c'est impossible. Tu ne peux pas te sanctifier toi-même. Tu ne peux pas. C'est pas possible. Si tu as reçu l'Esprit de Dieu avant ce baptême, ça veut dire que tu as reçu celui qui est. Donc, si celui qui est a envoyé son Fils, qui a fait, qui est passé par les eaux, si tu l'as déjà en toi, ben, tu es obligé de passer. Et ça, c'est de l'obéissance à Dieu. On ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas évoluer plus loin si on ne commence pas à obéir déjà. Non. Si on commence à bloquer, ben là, on n'obéit pas à Dieu, on ne peut pas aller plus loin. Là, déjà, on est un point avec l'obéissance. Ah ben oui, c'est sérieux. Hein? Eh oui, non, ne vous laissez pas berner. Hein? Faut pas vous laisser berner. Il faut être biblique. Il ne faut pas sortir de la Bible. Donc, tu vois, c'est important ça. Il dit, ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. On a dit quoi? Guérison pour ton corps. Ça veut dire qu'à un moment, il n'y aura même pas forcément qu'on t'impose les mains. Il y aura, si tu te confies en l'Éternel de tout ton cœur, une santé pour tes os, une guérison pour tout ton corps. C'est impressionnant. Moi, je me rappelle quand je me suis donné au Seigneur. Bon, mais quelques petits machins, tout ça. Mais quand le Seigneur, quand ces paroles-là m'ont touché, m'ont frappé, je me rappelle encore, je revois la même image dans le métro, je les lisais, ces paroles-là. Je me suis accroché, c'est ça qui m'intéressait. Ah bon, Seigneur? Ben oui. Et après, les miracles s'opèrent dans ton corps. Même si les autres ne croient pas, même si on doit rester seul à le dire, on croit au miraculeux. Et je le dirai toujours, je suis désolé. Parce que je sais que Dieu est réel. Les miracles sont perdus. Ils ne sont pas finis. Comme dirait les témoins. Non, témoins du roi, ils ne sont pas finis. Si, les miracles sont perdus. Il y a une dame, tu vois, qui est venue hier sonner, c'est témoin du roi. On discutait un petit peu du Seigneur. Et tu vois, c'est bien parce que Dieu a commencé. Dieu est clair. C'est bien. J'ai fait comprendre. Elle dit oui, mais c'est vrai que même si on a le nom de. On dit. Et on sait que non, au
au départ, c'est le tétragramme YHWH, c'est le tétragramme au départ. Et après, on a rajouté des voyelles, des consonnes pour dire Jéhovah. Bon, mais c'est donc, c'est même pas. Elle a avoué que oui, c'est pas vraiment le vrai nom. On a rajouté pour que ça fasse un nom audible. Voilà, comme d'autres l'appellent Yah ou Jiré ou Yahvé. Bon, voilà, c'est tout. On va pas jouer avec ça, mais c'est le tétragramme au départ, le nom. Et qui était imprononçable. Donc, il a fallu rajouter des voyelles pour donner ce nom. Et après, Roussel, celui qui a créé le mouvement des témoins de Jéhovah, qui était un franc-maçon, l'Illuminati au départ, parce que lui, sa tombe aux États-Unis, c'est une pyramide hein, qui est le symbole des Illuminati, des francs-maçons. Donc eux, ils ne savent pas aussi là où ils sont plongés. Mais Dieu éclaire certains et ils sont de là. Voilà. Donc c'est des choses à connaître aussi. Et on sait bien que, et quand je lui ai fait comprendre ça, il me dit oui, mais effectivement, il dit oui, mais on a discuté sur le Saint-Esprit, c'est vrai qu'ils ont un problème avec ce tout. J'ai dit, mais oui, Christ en nous, mais comment? Par son esprit. Sinon, Christ ne peut pas être en toi sans son esprit. Il te dit, par mon esprit, je serai en vous. Et après, on a encore parlé, et puis je lui ai fait comprendre que, et elle m'a dit, oui, c'est vrai, mais on peut appeler Dieu par son nom si on ne vit pas en conformité avec ce qu'il dit, si on n'accepte pas que son fils est le chemin, la vérité, la vie, ça ne sert à rien. Et j'étais content parce qu'elle m'a répondu aux questions. Et voilà, et oh, Dieu éclaire les gens comme Dieu l'éclaire. Et puis voilà, et c'était bien, tu vois, c'était bien. Voilà, il faut pas avoir peur, il faut éclairer les gens. On ne fait pas de guerre avec les religions, on ne fait pas de guerre avec les gens. C'est des êtres humains, il faut éclairer. Voilà. Si on n'en a pas assez et on a peur de se faire déstabiliser par ces gens-là, on dit Seigneur, donne-moi de la connaissance pour que je puisse éclairer. Voilà, mais il faut. Tu peux dire que tu n'es pas encore prêt pour parler du Seigneur. Enfin, c'est ce que tu dis. Mais Dieu peut te dire que tu es prêt. Hein. Tu n'auras pas toujours affaire à des gens qui vont avoir une grande science devant eux, qui vont te déstabiliser. Non, il y a des gens parfois qui ont juste besoin d'entendre Jésus est Seigneur. Et merci, monsieur. Merci. J'ai vu des gens parfois juste à dire Jésus est Seigneur. Merci, monsieur. Ah, en train de pleurer. Tu vois, ils ont juste besoin de ça. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est ça, il ne faut pas avoir peur de le faire. Jésus est Seigneur quand même. Jésus est un Seigneur, oui, mais de cette nation. Mais s'il est Seigneur de cette nation, on n'a pas peur de parler de lui. Sinon, on chante en vain, on ne croit pas en ce qu'on chante. C'est pour ça que parfois, même dans les chants, on ne va pas recevoir ce qu'on désire, ce qu'on attend, parce qu'on ne croit pas en ce qu'il dit derrière. Alors que celui qui a sorti, qui a été inspiré par ce chant dès le départ, ça se trouve, il y en a plein qui étaient enfermés dans leur chambre. Ils passaient par des moments douloureux et éprouvants. Et il a dit, Jésus est Seigneur, écrit. Jésus est Seigneur, peut-être que ça allait mal dans son foyer, je ne sais pas moi. Jésus est Seigneur, était inspiré de cette nation, il y avait des combats. Jésus, et le fait, il a vu peut-être la gloire se faire. Et ça, c'est rentré dans les églises après. Oh, dis-moi, il faut comprendre ces choses-là. Moi, c'est merveilleux, je bénis Dieu et on n'a pas peur de rien du tout, frère. Ah oui. Mais, on s'appuie sur Dieu parce que le diable est timide aussi, attention. Alors, regarde, ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera de la guérison à ton corps, un rafraîchissement à tes os. Il faut prier pour ceux qui parlent du Seigneur. Les hommes, même Paul le disait, priez pour eux. Ils sont debout parce que Dieu permet. Ils ne sont pas, surnaturels. Il faut prier pour eux. Il faut prier pour eux. Eh oui, il faut prier pour eux. Il faut penser à eux dans vos prières. Voilà. Parce qu'il faut penser à eux dans vos prières. Parce qu'il y a un temps où la parole se fera rare, il n'y aura personne pour parler, et là, on va chercher Dieu. Donc, on bénit le Seigneur pour ceux qui se lèvent, qui se mettent debout. Ce n'est pas souvent facile, il ne faut pas croire. Parce qu'on peut être intimidé dans notre esprit, on peut être découragé, on peut ne pas comprendre. Mais Dieu, dans son amour, nous fortifie. Eh oui. Tu vois, ce sera une guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Voilà. Bon, après, il y a une autre, un tout en bas qui dit dans le 9, « Honore l'Éternel avec tes biens et tes premiers de tous les produits, alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. » Voilà. Mais le Seigneur, le Seigneur te dit, fais-le avec joie, parce qu'il n'aime pas si on ne le fait pas. Voilà. Tu vois, donc tout ça, c'est marqué, en fait. Donc, avant de faire quoi que ce soit, regarde, c'est marqué. Et tu fais ça, et Dieu, en tout temps, te bénira. Il faut faire par la foi. Ésaïe 40:31. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces, ils prennent leur vol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Et tu as quoi dans ta version, Anne? Je cherche. Ah d'accord, ok. 40:31. Ouais. Donc tu vois, le Seigneur nous dit, hein, tu vois,
Mais ceux, tu vois, qui comptent sur l'Éternel, renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme un aigle, ils courent sans quoi s'épuiser. Oh. Il court et ne se lasse point. D'accord, ok. D'accord, c'est bien. Non. Alors, tu vois, ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils courent comme l'aigle. Il y a une histoire sur l'aigle. À 40 ans, il rentre dans un trou. Il arrache tout ce qui est dessus. Tout. Il est complètement à nu. Puis après, ça repousse petit. Il repart encore. Il vient après 70 ans. Donc ça, Dieu a donné des particularités à chaque animal. C'est comme il y a les crevettes aussi. Je ne sais pas quoi, un animal qui, on a montré à un moment donné, qui enlève sa carapace, je ne sais pas quoi, et qui se renouvelle, quoi. Oui, voilà, tu vois, il se renouvelle. Dieu a donné, en fait, c'est très bien. Dieu, en fait, la Bible dit, Paul dit, Dieu enseigne l'homme par la création. Il a tout créé pour t'enseigner, pour te donner de comprendre ce qu'il est capable de faire. Oui, il y a un cycle de vie. Il renouvelle la carapace, en fait. En fait, les cailles, tu vois, tout retombe. Il y a quoi? Les muets, c'est pas ça? Les muets? Oui, oui, voilà, d'accord. Oui, il y a le fait de faire ça. Pourquoi? Non, pas l'aigle. Il y a l'aigle, il y a d'autres aussi. C'est un crustacé qui fait ça. Oui. Donc voilà, un crustacé, voilà, qui fait ça. C'est les crevisses qui font ça. Le crevisse crabe, c'est un crustacé, oui. C'est un des quoi qui fait ça. Donc ça se renouvelle, et puis voilà, quoi. Et tu vois la chair, et puis la carapace repousse, toi. Non, mais c'est pour dire que Dieu, restez concentrés, vous laissez l'enfant tranquille. Dieu nous renouvelle, Dieu nous enseigne par la création. Regarde. Il dit, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Ah oui, ils marchent sans se fatiguer. Ils ne sont pas épuisés. Ça veut dire quoi? C'est que même s'ils sont fatigués, parce que la semaine était chargée, c'est très sérieux. Il y a parfois, je me suis trouvé avec des semaines, parfois tu te sens, ce travail était oppressant. Mais quand tu sors de là, parce que tu t'appuies sur le Seigneur, tu es renouvelé et ta fatigue, tu ne l'amènes pas à la maison. Mais tout dépend de comment tu fais confiance à Dieu. Tu vas me dire, oui, mais je fais confiance à Dieu. Oui, mais je ne suis pas dans ton cœur. Je suis pour voir. Parfois, c'est marrant. Mais je ne suis pas dans ton cœur. Regarde, il y a parfois une dame. Elle était venue dans une église, vous voyez, comme des sympathisants. Elle a dit, oui, je veux Jésus comme Seigneur, voilà. Mais elle a avoué après qu'elle n'avait pas donné à 100%. Parce qu'après, quand elle est revenue, elle a pris son baptême. Et l'église dans le 78, dans les Yvelines. Elle a avoué qu'elle n'avait pas donné complètement son cœur. Elle avait donné à 50%. Et quand elle est retournée dans le monde, elle a eu, malheureusement, elle est tombée enceinte. Malheureusement, elle a perdu l'enfant. Voilà, elle est témoin, il n'y en a plus rien témoignant de ça. Mais n'empêche que, quand elle est revenue après, elle dit là maintenant, je donne mon cœur à 100%. Donc, ça veut dire quoi? On peut ne pas donner tout son cœur à Dieu. Ah ben oui! Ah ben oui, c'est possible ça! Parce que le cœur a des mystères, des choses profondes. Voilà pourquoi Dieu dit, je sonde les profondeurs du cœur de l'homme. Profondeur, ça veut dire quoi? Il y a des paliers dans un cœur. Eh oui. Non, mais c'est sérieux, c'est impressionnant. Écoute, si vous arrêtez, il faut arrêter. Si vous voyez, avec l'histoire qu'on nous raconte là, si vous voyez un cœur juste comme ça, là, je ne sais pas moi, avec des histoires comme ça, quand les gens ils sont dit, il m'a déchiré le cœur, il est fait dans tous les sens, des trucs bizarres. Si vous voyez le cœur comme ça, si pour vous ça s'arrête à ça, tu ne t'en sortiras pas. Mais si tu as compris que le cœur, si tu as compris que vraiment c'est ton un être humain, et puis si tu as compris que Dieu parle de ça, et Dieu parle des profondeurs, il y a des paliers en fait, des profondeurs. Tu peux donner juste à ce niveau-là et ne pas tout donner. Ah oui, c'est possible, hein? Mais Dieu veut que tu donnes tout ton cœur. Et en donnant tout ton cœur, tu lui es semblable, tu deviens son intime. Tu dois tout donner, tout. Mais c'est pas en donnant tout que Dieu va t'empêcher de vivre ta vie. C'est pour ça que quand les gens disent, ouais, mais non, mais attendez, c'est marrant. Il faut réfléchir, comprenez, quand Dieu vous donne de comprendre. Oui, mais je ne me sens pas compris. Je ne comprends pas. Non, j'ai beau retourner ça dans tous les sens, je ne comprends pas. Non, tu dis oui à Jésus. Et si tu dis oui à Jésus, c'est lui qui t'aidera, il n'y a pas de raison. Donc, tu vois que si, parfois, il faut être honnête avec soi. C'est pour ça qu'au commencement, le Seigneur disait, éprouvez-vous vous-même si vous êtes vraiment dans la foi. Mais donnez son cœur et Dieu fait. Mais même si tu ne donnes pas ton cœur à Dieu, mais à quoi? À ce monde-là, tu vas le donner?
Mais tu ne peux pas donner ce, ton cœur à ce monde-là. On voit bien que ça marche très mal. On ne peut pas, ce n'est pas possible. On attend quand un malheur nous arrive pour dire, mais j'aurais dû. Mathieu. Oh, il y a des gens qui suivent. Tu vois, on attend que qu'on souffre, on attend que ça aille mal pour dire, je donne tout mon cœur. Non, il ne faut pas attendre, il faut être prévoyant, il faut se protéger. Regarde, j'ai accepté le Seigneur, ça ne m'empêche pas d'aller à Carrefour. Ça ne m'empêche pas d'avoir les enfants, ça ne m'empêche pas d'avoir... Mais il faut qu'on arrête un petit peu. Ça ne m'empêche pas d'aller au travail, il faut qu'on arrête. Pourquoi? Parce qu'il va m'empêcher. Parce que si j'allais à Montréal, je ne dois plus aller. Parce que si j'y vais, je dois... Mais non, mais il faut qu'on arrête, quoi. Non! Donner son cœur à Dieu, c'est lui après qui orientera ta vie. Mais c'est lui qui a quand même créé l'homme et la femme, quand même. Il me semblerait qu'avant que le monde décrète que le mariage... C'est Dieu qui a institué le mariage, quand même. C'est lui qui sait ce qui est bon entre un homme et une femme. C'est lui qui sait ce qui est bon quand deux seront unis. Mais quand même, c'est lui qui sait où il a placé tel organe quand même, me semblerait-il. Mais on croit qu'on apprend les choses à Dieu, quoi. On croit qu'on dit à Dieu comment ça se passe, quoi. Oh Seigneur, je souffre par là, mais Seigneur, est-ce que tu ne peux pas permettre qu'il soit d'accord avec moi, qu'il me comprenne? Mais on, c'est comme si on pense pour Dieu, mais Dieu dit, mais la personne qui te... moi, je l'ai créé, moi. Je savais que les yeux allaient être là, que l'œil allait être là, mais quand même, oh, mais il connaît tout, le Seigneur. On veut penser pour lui. Non, ne pense pas pour lui. Crois que lui, et bien justement, lui, il va te donner de vivre en lui. Il va donner de vivre une vie en lui. Soyez transformés par le renouvellement de la pensée. Là, on a dit, ça ne marche pas quand on est avec quelqu'un. Au bout de quelques années, on voit, avec Dieu, c'est non, ça marche. Voilà, parce qu'il a voulu comme ça depuis le commencement. C'est comme ça. Il faut que tu sois juste renouvelé par la transformation de ton intelligence. Tu dois être renouvelé. Je travaille comme tout le monde, j'ai un job, je vais au travail, mais mes causes sont différentes. Là où on pense échec, je dis non, il n'y a pas d'échec parce que Dieu m'accompagne, c'est ça. Parce que c'est lui qui a créé la vie, n'oublions pas. La vie n'a pas été créée parce que qu'on joue au parc. Non, c'est lui qui a créé la vie et il connaît la vie. Voilà. Et comme il a créé la vie, il sait comment il faut tel mot qu'il faut dire à tel autre pour l'aimer, pour lui prouver que tu l'aimes, comment toucher le cœur. Il sait toutes ces choses-là. Donc il faut lui faire confiance pour qu'il t'inspire au moment présent pour dire, dis-lui ceci, ça touchera son cœur. Mais parce que, pourquoi? Parce qu'il est en toi. Ben oui, s'il est juste dans le temple, on le laisse là, on ferme la porte, ben on est les derniers des avortons. Ça va être terrible là. Ah non, 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 il part avec nous. Ah oui, après ils vont faire toutes leurs bêtises qu'ils veulent ici, mais nous on part avec. La gloire ne reste pas là. Ben non, ce serait trop facile. Après, quand on revient dimanche prochain, la gloire est là. Voilà. Parce que nous, on entraîne. Et son esprit, il est en nous, il est aussi à l'extérieur, il veille partout. Et il va nous accompagner parce que nos cœurs ont sa présence. Dieu se détache, il se démultiplie en fait. C'est le grand Dieu que nous servons. Le Dieu qui est capable d'être là, d'être là, d'être là, d'être là, au même moment. Le Dieu qui est capable, comme la parole dit, il s'est manifesté à 500 personnes au même moment. Voilà pourquoi la Bible dit que tout genou le verra, tout genou fléchira, et tous ceux qui l'ont percé le verront. Toute personne sera à genoux. En Haïti, en Afrique, en France, au même moment, à la même seconde, tous verront le grand Jésus apparaître. Ils le verront au même instant. Pourtant, tu prends l'avion pour aller en Afrique, tu prends l'avion pour aller aux États-Unis, aux Antilles. Mais ils le verront au même moment, la Bible dit ça. Alors, soit tu veux raisonner, soit tu veux accueillir spirituellement Jésus dans ta vie. Ça veut dire qu'il y en a, tout à fait, exactement, oui. Puisque là, aujourd'hui, il fait jour, là-bas, il fait nuit aux Antilles, tout ça, voilà. Il a qu'est-ce qu'il a dit, Samuel? Non, mais ils disent qu'il y a des gens qui vont le voir au même moment, donc ce sera certains dans la nuit, d'autres ce sera pendant le jour. Oui, ça se passe, oui, ça c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Le soleil tourne autour de la terre, et puis voilà, il éclaire là, il éclaire le lendemain, bon voilà, c'est les cycles. Donc aux Antilles, peut-être qu'ils le verront, et puis pendant qu'ils seront, nous, on sera dans la journée, voilà. Et le Seigneur, il vient comme un voleur. Et il faut être prêt, parce qu'il viendra, il tirera l'un l'autre. Le Seigneur dit, même sur un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Donc, il faut s'attacher à la foi. C'est la foi de ta femme qui la sauve, ce n'est pas ta foi. Sa foi aussi. Après, Dieu fait grâce en fonction, voilà. Mais au départ, c'est comme ça. Voilà. Donc, tu vois, regarde, le Seigneur nous dit ceci. Mais oui, regarde. Prends Luc 10, 19. On va essayer d'aller rapidement. Luc 10, 19.
19. Le succès vient du fait que tu t'imprimes des réalités bibliques. Ça, c'est uniquement ça. Le succès vient de là. Tu t'imprimes des réalités bibliques. Tu les mets dans ton cœur. Sinon, ça ne marche pas. Le succès vient de là. Il ne vient pas autrement que ça. Alors, vous n'avez pas trouvé? Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais. Rien ne pourra vous faire du mal. Tu vois, tu as dit, voici, je vous ai donné quoi? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais. Là, tu vois, là, le Seigneur, tu vois, dans cette version-là, on détaille encore d'autres choses, tu vois. Dans la version, on dit, tu vois, c'est pour ça qu'il faut aussi bien d'avoir d'autres choses pour plus d'éclaircissement. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Tu vois, bon, rien ne pourra vous nuire. Là, on te dit sans danger. Ça veut dire que tu peux, quand Dieu te donne de prendre l'autorité, par exemple, sur la puissance des ténèbres qui veut te déstabiliser, mais justement, tu le feras sans crainte, sans peur. Parce que avoir peur du retour du bâton, non. Parce que Christ est en toi, c'est lui qui protégera ta tente, qui verra sur toi. Le Seigneur, il nous a donné le pouvoir de marcher sur la puissance des ténèbres. Mais ça, je suis désolé, on le répète, mais quand on voit parfois nos vies, si on est honnête, on ne marche pas sur la puissance, rien du tout. On ne fait rien du tout. C'est eux qui marchent sur nous. La tienne, ta version? Non, lui, quoi? Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous faire du mal. Ah, d'accord, ok. Vous avez la même version. La prochaine, comme c'est bien, vous avez la même version. Donc, tu vois, rien ne pourra vous nuire. 10-19. Il faut saisir ça et ne pas avoir peur. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné quoi? L'autorité. L'assurance. Je vous ai donné quoi? La domination. C'est eux, j'insiste, c'est eux qui foirent ta vie. C'est eux qui empêchent parfois certaines sphères de ta vie de se débloquer. Donc, il faut savoir travailler avec de la réactivité. Quand ça ne va pas, il faut être réactif. Ne pas s'endormir sur les problèmes. Ne pas s'endormir sur les bobos. J'ai mal, je prends autorité rapidement. Et plus je vais imprimer, en prenant autorité rapidement, tu vas l'imprimer dans ton esprit et le corps va suivre. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais si tu baisses les bras, si tu l'acceptes dans ton esprit, ben c'est fini. Ta chair va suivre. C'est ça qu'il faut essayer de faire. Avant de dire, j'ai la foi. C'est pour ça que Paul dit, examinez-vous, regardez si vous êtes dans la foi. Moi, je dis que, on n'est pas là pour dire au Seigneur, donne-moi une super. Je dis juste au Seigneur, je découvre, j'apprends la foi. Je dis, ouais, non, je découvre, j'apprends. Parce que tu peux être dans des cas compliqués où, ben, justement, Dieu te démontre que tu n'as pas autant de foi que tu dis en avoir. C'est pour ça qu'en même temps, tu dois marcher avec l'humilité aussi en même temps. Parce que dis-toi bien que parfois tu dis oui, tu tiens debout, tu es fort, mais c'est parce que Dieu a permis. Si Dieu veut te laisser crever, tu crèves. Ne nous soumets pas au tentateur, il peut te laisser, tu sois soumis au tentateur et tu n'avances pas. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire je n'ai pas peur du diable, mais Dieu lâche sa main, c'est fini. Parce que Dieu connaît le pouvoir de Lucifer, du Satan. Eh oui. Mais c'est en Christ qu'on est fort. Parce qu'il est en nous. On arrive à gagner. Sans ça, on ne gagne pas. C'est pas vrai. Regarde, on a. Prends Genèse 37, 18. Ce qu'on disait ce matin. Bien, parce qu'on aura le temps de développer ça plus tard, mais. Voilà. 37, 18. Genèse 37, 18. Il faut. Moi, aujourd'hui, je pense qu'on arrive à grandir dans quel sens? Dans le sens où on ne marche plus dans la foi en se comparant à son frère. C'est ça qui est dangereux aussi. Et parfois, c'est dommage à dire, le chrétien aujourd'hui, il parle de foi, d'assurance qu'il est, en se comparant à son frère. Quoi? Genèse 37, 18. Oui, tout à l'heure. Attends, je développe quelque chose et puis tu viens.
Et on se rend compte que pour pouvoir justement grandir dans la foi, hein, pour pouvoir grandir dans la foi, il faut s'examiner soi-même. Mais il ne faut pas examiner la vie des autres pour dire, eux, ils n'ont pas la foi, moi, j'ai la foi. Non. Toi-même. Est-ce qu'il t'arrive, dernièrement, de ne... Attends. Non, c'est lui qui va aller. Deux secondes, s'il vous plaît. Est-ce que Dieu... Est-ce qu'il y a un moment, tu vois... Je vois que vous êtes zélés pour lire, mais deux secondes. C'est bien, participer, mais... tu vois, regarde. Non, mais c'est bien. Voilà. Tu vois, il faut comprendre une chose. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on ne soit pas, qu'on ne se compare pas, justement, à l'autre pour grandir. Non. Tu dois te comparer à ce que la Bible dit de toi. Est-ce que tu es vraiment ce que tu dis? Est-ce que tu es celui qui s'époumonne ou qui se glorifie quand il est là et quand il est à l'extérieur, il est faible? Non. Si c'était le cas, c'est pas bon. Ça veut dire que ta foi, c'est juste dans la comparaison. C'est-à-dire que parce qu'il dit, ouais, il pense quoi, il y a moi aussi, je lui demande. Mais non, c'est pas bon. Ça tue la foi, ça. Et le jour où la personne avec qui tu te compares n'est pas là, et tu te décomposes tout seul. Non, c'est parce que Dieu, justement, c'est face à Dieu, justement. Voilà. C'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est face à Dieu. Qui je suis? Moi, si tu veux, en grandissant dans la foi, je ne me suis pas arrêté sur les gens pour dire, oui, mais lui, c'est vrai qu'au début, tu commences dans la foi, tu dis, oui, mais il se prend pour qui, lui? Oui, mais d'accord, il parle du Seigneur, moi aussi, je peux. Non. Quand tu grandis, au fur et à mesure que tu grandis, tu te rends compte que ce n'est pas si évident que ça, non. Ce n'est pas si évident. Parce que tu vas avoir des pensées, des forteresses qui vont essayer de te déstabiliser. Voilà. Mais tu dois tenir ferme, debout. C'est ça, la foi. Et le but, c'est d'aller sur la durée, sur le temps, aller plus loin. Enfin, je commence dans la foi et je finis dans la chair. C'est-à-dire, je commence dans l'humilité et après, quelques années après, je finis dans l'orgueil. Et là, je veux massacrer tout le monde. Là, je veux montrer aux gens que je connais. Non, tu ne connais rien. Rien du tout, tu connais. Non, tu connais rien du tout. Non, c'est pas si évident, ça. C'est pas évident. Alors, Genèse 37, 18. Même les esprits de moquerie, même si le diable, il se manifeste. Ça, on s'en moque des moqueries et tout ça. Il faut rester ferme, indétrônable. Et là, tu verras justement Dieu ouvrir les portes devant toi. C'est pas si évident que ça, bien aimé. Faut pas croire. Hein. Je vous dis, le Seigneur a dit, il y a des moments où il n'y aura plus la parole. La parole se fera. Il n'y aura plus des gens pour prêcher. Voilà. Ça va arriver ce temps-là. Donc, si tu es rentré dans la bergerie, reste-y. Ceci le virent de loin avant qu'il... Ceci, ce sont ses frères, les frères de Joseph. Ceci le virent de loin avant qu'il les rejoint. Ils complotaient de le faire mourir, se disant les uns les autres. Voilà, tu vois, regarde. On parle de quoi? On parle de fratrie, là. On parle de frère. On ne parle pas d'un compagnon, on ne parle pas d'un copain, on parle de frère, là. Pourquoi? Parce qu'il avait, pour remettre dans le contexte, il avait enfin, Dieu l'aimait un peu plus, il avait une dose chez lui, Dieu avait mis des dons, notamment des dons de vision, des choses comme ça. Mais, on a vu que ses frères l'ont jalousé parce que son père lui donnait plus d'affection. Et tu as vu, ce sont ses frères. Et ils l'ont jeté dans quoi? Dans une citerne. Si tu vas plus loin. Et après, ils voulaient même le tuer. Mais heureusement, Ruben, qui est l'aîné, s'est interposé en disant, ne le tuons pas, n'ayons pas de sang sur les mains. Là encore, c'est le Saint-Esprit qui a travaillé au travers de Ruben, même si Ruben était contre lui. Tu vois, même tes ennemis, tes adversaires, c'est ça que j'ai envie de faire comprendre. Dieu travaille avec eux pour ne pas te faire trop souffrir. Pour confirmer le passage qui dit, avec épreuve, il a prévu le moyen de vous en sortir. Voilà. Alors, quand les gens me disent que la Bible, elle est différente, le Premier Testament, ça ne corrobore pas, c'est pas... Je dis non, c'est faux, ça marche, c'est uni. Les deux paroles sont ensemble. Il faut juste que tu acceptes l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu se révèle en toi, et là, tu comprendras qu'il n'y a pas de division entre les deux testaments. Il faut juste comprendre que le Nouveau Testament révèle le Premier Testament, c'est tout. En fait, comprenez, le Nouveau Testament était caché dans le Premier Testament. Il nous a été révélé.
Le premier, le nouveau ne fait que révéler le premier testament. Là, on imposait les gens, on leur disait, si tu ne donnes pas ta dîme, on te massacre. Là, on dit, donne sans contrainte. Parce qu'on est dans, on vit dans les temps de grâce. Et Dieu jugera les cœurs. Dieu donne au semeur la semence pour semer. C'est ça qu'il faut comprendre. Le Nouveau Testament révèle le Premier Testament. C'est tout. Et le Nouveau était caché dans le Premier Testament. Pour révéler pour nous. C'est ça la révélation, en fait, du tout. Hein, dedans. Donc, regarde, tu vois, alors, donc, on a dit... Alors, regarde. Alors, tu peux continuer, s'il te plaît. Et voici l'homme aurait profité pour les tuer. Voilà. Tu vois ça? Nous jeterons son cadavre dans une citerne. Tu vois? Et nous tirons une bête féroce la dévorer. Voilà. On parle de frères et sœurs, là. On parle de frères, là. C'est pour ça que quand on dit aux gens, confiez-vous d'abord à Dieu, mais on fait comme on veut, c'est pas notre problème. Non, il faut le faire, parce que demain, et comme ça, ça t'évitera d'aller haïr tes frères et tes sœurs dans le sang et leur coller des procès, comme j'en ai déjà vu, et puis dire, voilà, ils m'ont fait ceci, ils n'ont pas honte, regarde ce qu'ils font, ils ont, quoi? Mais Dieu t'a prévenu, donc il faut arrêter au bout d'un moment. Le chrétien, que quelqu'un qui ne connaisse pas Dieu, justement, ça lui arrive, c'est pas, mais toi, t'es prévenu. Après, quand à ta famille, ça ira mal, non, t'es prévenu. Mais quoi? Mais Dieu permettra ça pour te révéler sa gloire et démontrer à sa famille vraiment qui tu es. Il dit, ouais, ma famille, non, ça arrive à Joseph. Regarde plus loin, qu'est-ce qui se passe? Donc, regarde, tu vois, ils l'ont mis dans une citerne. Mais regarde, et alors, lis plus loin quand le papa, ils ont dit au papa, oui, ton fils est mort et tout ça, et le père a pleuré. Mais on se rend compte que Jacob, qui était le père, il y avait quand même un soupçon d'espoir dans son cœur, puisqu'on verra plus tard. Regarde, ils ont dit quoi quand ils sont venus voir le papa? Ils ont dit quelque chose au papa. Ils ont dit au papa. Quoi? Jacob, c'est le fils d'Ethniel. Isaac. Mais oui, mais là, on parle de Joseph, hein, et donc le père est Jacob. Alors, là, tu vas, oui, tu viens, hein, t'as trouvé ou pas? Alors, 37. Oui, alors il dit quoi? Vas-y. Alors, donc, moi, je lis. Tantôt, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, alors, ils vont voir, en fait, Jacob, alors, il dit, regarde, il dit, alors, dans le 33, 37, 33, Jacob le reconnut, tu vois, alors, ils disent, non, alors, on va aller plus loin, pour remettre dans son contexte. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ton amour, pour ton onction, pour ton esprit. 37, 39. Lorsque Ruben revient, attends, 37, 29. Lorsque Ruben revient à la citerne, il constata que Joseph n'y était plus. Il déchira ses vêtements, tu vois, retourna vers ses frères et dit, il n'est plus là, et moi, où puis-je aller? Parce que Ruben n'était pas d'accord, tu vois, avec ses frères. Ça veut dire que, même si toute la fratrie est contre toi, il y a toujours une personne au milieu qui sera d'accord. C'est ça que j'essaie de te dire, même si tous t'abandonnent, moi c'est à ça que je crois. Même si tous, il y en a un qui va se lever, il va dire, Albert, mets-toi debout, lève, et reste par les bras, et avance, voilà. Et je sais qu'il y en a toujours un, et c'est pour ça que je reste ferme, inébranlable. Parce que je sais qu'il y en a toujours un qui sera là pour dire, ton Dieu est vivant, reste pas les bras, mais tais-toi. C'est ça que je sais. C'est ça que je sais. C'est ça. Je sais ça. Je sais que Dieu est plus vrai que toi, plus vrai que moi. C'est ça que je sais. Dieu est plus vrai que toi, plus vrai que moi. Et je sais que même si tu m'abandonnes, il ne m'abandonnera jamais. Et après, il t'étonnera. Il te mettra dans la confusion. Même si je t'abandonne toi, Dieu me mettra dans la confusion après. Même si je te traite de n'importe quoi. Même si je dis, il est nul celui-là. Il ne vaut rien celui-là. Dieu m'étonnera des années après. Voilà pourquoi je me garde de ne pas me moquer des gens. Parce que je sais une chose, c'est que Dieu peut justement m'étonner après. Voilà pourquoi je garde ma bouche pour ne pas dire n'importe quoi à ces gens. Parce que je sais que Dieu peut m'étonner justement. Alléluia. Et tu as intérêt à garder ta bouche. Alléluia. Aussi pour que tu ne vois pas Dieu t'étonner. Et que tu dis, Seigneur, pardonne-moi de m'être moqué de cette personne. Pardonne-moi quand il s'est levé de dire, tu ne feras rien. Pardonne-moi, Seigneur. Mais Seigneur, je me repens devant toi parce que tu es Dieu. Eh bien, ça servira de leçon. Tu diras, Dieu est vivant. C'est pour ça que parfois, Dieu permet la moquerie. Dieu permet qu'on se moque des gens. Dieu permet qu'on dise, les gens sont des ignares, ils ne valent. Dieu le permet ça pour mieux confondre après. Sinon, il n'y a pas de confusion. Nous ne marchons pas avec n'importe qui, il faut comprendre ces choses-là. Alors regarde ce qui se passe. Dans le 33, il dit quoi? Il dit, retourna vers ses frères et dit, il n'est plus là, et moi, où puis-je aller? Ils prirent alors l'habit de Joseph, tuèrent un bouc et plongèrent l'habit
dans le sang. Il envoya l'habit de plusieurs couleurs à leur père avec ce message. Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais donc si c'est l'habit de ton fils. Alors, Jacob le reconnut et dit, c'est l'habit de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Donc, ils ont menti. En plus, Joseph a été mis en pièces. Jacob déchira ses vêtements. Il mit un sac sur sa taille et il mena longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusait d'être consolé. Parce qu'il avait vu que c'était le cadeau que Dieu lui avait fait. Et son cadeau était parti. Mais Dieu avait un bon plan pour lui plus tard. Il disait, c'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. C'est-à-dire avec la tristesse, avec l'animosité, l'amertume, je descendrai dans le séjour des morts. Il pleurait son fils. Je ne veux plus. Voilà. Mais regarde ce que Dieu lui fait. Le plaisir que Dieu lui accorde. Oh, bien-aimé, Dieu est tellement vivant. Moi, honnêtement, soyez dans la foi. Genèse 48, 11. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Ah non, frère. Il faut parler. On va parler à tout le monde du Seigneur. Il faut parler. Il faut partager la bonne nouvelle. C'est la parole de feu, de foi, de puissance. C'est le salut pour quiconque croit l'évangile. 48, 11, le Seigneur dit quoi? Ah non, il ne faut pas vous moquer des gens. Ne vous moquez pas parce que vous allez être surpris. Dieu va vous confondre bien comme il faut. 48, 11, tu vois, qu'est-ce que le Seigneur dit pour celui qui s'accroche sur le Seigneur? 48, 11, quoi? Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage. Voilà. Et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Voilà, tu vois, donc voilà. Donc, lui, il était déjà dans le découragement. Il pensait que ça ne marchait pas. Il craquait, il disait, mais c'est fini. Non. On voit que, quelque part, il pensait qu'il allait mourir dans le deuil et puis voir son fils, il était découragé. Mais Dieu l'a gardé, même dans ta tristesse. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que peu importe la chose douloureuse que tu vis, dans sa tristesse, et on a dit dévoré, donc il n'y avait plus de corps. Donc la bête avait dévoré le corps de son enfant. Donc il n'y avait même pas de sépulture à faire. On ne pouvait même pas l'enterrer. Comme ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui perdent leur enfant dans les avions qui explosent où il n'y a plus de corps, je ne sais pas. Il y a une bonne nouvelle là-dedans. Que Dieu te montrera tout sa main. Israël, c'est qui? Israël, ça c'est Jacob. C'est Jacob qui s'appelle. Dieu lui a donné son nom quand il s'est battu dans la Genèse avec un ange, on va dire, bon, qui était envoyé de Dieu. Il lui a dit, maintenant tu t'appelleras Israël. Voilà. Ce que je vous dis la dernière fois, c'est que Dieu donne un nom dans chaque circonstance. Dieu, en fait, quand il t'appelle, il te dit Abraham, il s'appelait Abraham au départ. Il a dit Abraham. Sarai, Sarah. Paul, il dit Saul, il s'appelait Paul. Voilà. Cephas, Pierre, tu vois, donc, toujours un nom. C'est un nom pour avoir l'autorité, le commandement. Oui. Quand il s'est battu avec Israël. Non, Israël, Jacob, quand il s'est battu avec un envoyé de Dieu, avec un ange. Et puis après, il a eu un petit larange, un petit peu déboîté. Bon, il boitait, Jacob, c'est quelqu'un qui boitait un petit peu. Mais Dieu l'a éprouvé, il a vaincu, en fait. Et Dieu a permis, et Dieu l'a éprouvé, en fait. Et Dieu l'a appelé, tu t'appelleras Israël. Voilà, c'est dans ce sens-là, oui. Et voilà. La vraie notion d'Israël, c'est ça, en fait. C'est pas l'Israël, bon, enfin, aujourd'hui, bon, malheureusement. Et je vous ai dit, tout le combat qui est palestinien-israélien, tout ça, ça sort de même père et tout ça. Donc, vous ne vous lancez pas bêtement dedans. Priez quand même le Seigneur, voilà, avant de prier pour les Palestiniens-israéliens pour qu'ils puissent s'unir, puisqu'ils ont le même père. Et que Christ est venu venir avec nous. Donc, tu vois, il dit en fait, Dieu m'a consolé. Dieu m'a fait revoir ton visage. On a menti. On lui a menti. Il y a eu le mensonge, il y a eu le faux meurtre. On a vendu en esclavage. Bon, on ne va pas s'arrêter sur l'histoire de ce qui s'est passé avec Joseph. Il est devenu premier ministre et tout ce qui s'ensuit. Voilà, c'est pour comprendre. Si Dieu a permis que ça soit écrit, pas pour notre instruction, pour nous dire si tu passes par là, j'ai un plan pour toi. Oh, j'ai un plan pour toi. Si vous continuez à vous marcher, parce que vous voyez le mouvement chrétien comme ça, vous dites, bon, on suit l'entonnoir sans avoir une communion forte, intense, dynamique avec Dieu, vous allez vous faire avoir tout le temps. Et Dieu ne bâtit. Mais bâtir quelque chose sur quelqu'un, il faut quand même qu'on prenne le temps de mettre le mortier, prendre le temps de creuser, d'édifier les murs. Ben oui. Mais déjà, ne pense même pas ministère, oublie ça. Tu veux avoir un conjoint, mais tu penses que tu ne vas pas bâtir? Ah si, il faut bâtir. Ah non, il faut mettre les mains en cambouis, il faut se battre. Mais Dieu sera là pour nous aider.
Il ne faut apprendre à supporter l'autre. Tu nous aides. Mais bien, qu'est-ce que tu crois? Écoute, si tu ne veux pas supporter les gens, ça c'est une forme d'orgueil, simplement. Voilà. Tu prétends. Ça, c'est la prétention. Tu prétends que tu es meilleur, que l'autre, il est sale. Voilà. Non. Quand tu supportes, c'est que tu te dis peut-être que je suis pire que lui. Donc, je vais encaisser. Voilà. Ça, c'est, sinon, tu es un orgueil et je suis un orgueil. Voilà. Eh oui! On apprend à supporter l'autre parce qu'on est dans l'humilité. Sinon, on ne supporte pas. On prétend que l'autre ne fait pas d'efforts, il n'y a que moi qui en fait. On ne voit que le bout de notre nez, il n'y a que moi, moi, que moi, moi seul. Non, tout le monde en fait. C'est que sois un petit peu humble et apprends à regarder les efforts de l'autre. Et comme ça, ce que Dieu commence, tu le détruis. Il y a des gens, Dieu a commencé à la donner un homme et une femme. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que Dieu... Quand, c'est pas parce qu'il y a une engueulade dans une maison que la chose n'est pas en train de se bâtir. Hein. Parce que vous ne marchez pas sur l'esprit, vous ne voyez pas ce qui se passe dans l'invisible. C'est pas parce qu'il y a une engueulade que... Attends, c'est parce qu'il y a une engueulade que tu vas tout détruire. C'est pas parce que tu as fait ton fichier, c'est effacé dans ton ordinateur, que ben justement, tu ne peux pas... Ou bien tu n'as pas les bases, les notions pour refaire. Eh oui! Donc, il faut bâtir. Bâtir, ça veut dire quoi? Là, quand il y a parfois des intempéries, ils construisent un machin... Ça se casse ou bien ils doivent arrêter les travaux parce que les entreprises empêchent. Il y a la neige, il y a tout ça. Mais après, ils reviennent quand les trains, mais quand c'est un petit peu calme. Oui, mais les gens, ils rebâtissent et c'est tout. C'est comme ça, voilà. Mais oui, il faut grandir un petit peu. Si on arrive à le faire, moi, je l'applique dans toutes les circonstances de ma vie, finalement. Si on arrive à le faire dans les choses charnelles, on peut le faire dans le spirituel. C'est possible. Il faut apprendre à bâtir. Il faut apprendre à comprendre qu'on a un corps spirituel réel. Voilà, un corps spirituel, rien. Sinon, tu ne bâtis rien. Non, fine, rien du tout. C'est comme ça. Sinon, tu te lèves, tu dis, Seigneur, bah, Dieu te donne une belle prophétie, te promet de belles choses. Quand il y a une petite tribulation, tu t'arrêtes. Non, tu n'as pas compris. Tu dois être un maçon. Tu dois bosser. Voilà, comme le faire ailleurs. Je coupe, je soude. C'est pas bon, on taille. On taille, on ressoude. C'est pas bon, on ajuste. Et puis voilà, c'est comme ça. Oh. Et après, qu'on est soudé le portail, il va falloir mettre la peinture. Et après, tu as dit, oh, il est beau mon portail. Oui, mais tu as bossé pour arriver à ça. Et après, tu as creusé. Tu as ton jardinet. Tu vas creuser. Tu vas prendre des belles petites fleurs. C'est tout fini. Tu vas avoir des petits choux, des petits, je sais pas, des salades. J'ai acheté la peinture. Ah, magnifique. Tu vois. Voilà. Et tu vois, il a fallu que tu fasses effort. Tu as acheté ta peinture. Et après, tu vas prendre le petit pinceau. Il y a des efforts. Et après, tu vas. Ça va être comme Noé. Tu vas être content de ton travail. Tu vas dire, oh, c'est pas mal, c'est beau. Mais bien sûr. Mais tu acceptes. Tu vois, c'est tellement naturel. Tu acceptes de bosser pour pouvoir avoir. Tu acceptes de le faire. Mais en esprit, il faut accepter de faire la même chose. Mais pour ça, il faut que tu comprennes que tu as un esprit, que tu as un corps spirituel en toi. Il faut que tu comprennes ça. Et le faire grandir ton esprit. Tout le monde va bien, ça va? Que tu puisses pour grandir, faire grandir ton esprit. Il faut ça. Eh oui, il faut ça. Comprends-le. Et quand tu verras, et la bénédiction dans la chair arrivera, mais tu sauras gérer la chose. Voilà. Ah oui. Oh, mais bien sûr. C'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais bien sûr. Oh. Regarde, Apocalypse 3, 5. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Celui qui vaincra, bien il dit, le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant les anges. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà. À celui qui vaincra. Tu vois? À celui qui vaincra. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un combat. Regarde, on va aller sur le 2.6, Apocalypse 2.6. Il dit, au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, qui vit selon moi, je donnerai autorité sur les nations. C'est-à-dire que tu viendras régner, l'histoire, il annonçait le règne millénaire du Christ. C'est cette période où Jésus interviendra dans les affaires physiques des êtres humains. Il interviendra, il sera là. Il va régner. Ce ne sera pas François Hollande qui sera là. Jésus va régner sur les nations. Et toi, avec, tu vas régner sur les nations. Tu vas les faire paître. Ah oui, c'est très sérieux, ce n'est pas une blague que Dieu nous fait. Voilà ce qui s'attache à ton salut, la promesse qui s'attache.
que tu seras peut-être un gouvernant, je ne sais pas ce que tu seras, mais tu vas diriger les nations. C'est sérieux. Il dit, c'est pour ça qu'il dit, attends, c'est pour ça qu'il dit, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un... C'est pas moi, tu vois, c'est marqué. Il les dirigera avec un spectre de fer comme on brise les vases d'argile. Dans la droiture, dans l'intégrité. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin. Christ, et la Bible dit, Jésus est l'étoile du matin. Est-ce que vous comprenez la comprenez la révélation. Comprenez. Comprenez. Attends. Il y a une chose qu'il faut comprendre. Il faut comprendre là. Attends. Oh. C'est où là? Oui, voilà. Ça, c'est merveilleux, ça, regarde. Il te dit, il dirigea avec un spectre de fer, comme on brise des vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute. Ça veut dire quoi? C'est pas toute la foule. Tu veux écouter, amen, tu veux pas écouter, c'est ton problème. Que celui écoute. Parce que si ton frère, quoi? C'est 2:28. Parce que le Seigneur dit, si... Parce que, comprenez, Dieu ne parle pas à une foule là, il parle à chaque personne. Il y a une chose, juste comme ça, il y a un passage où c'est bien. Que celui qui a les oreilles entendu, celui qui dit aux églises, à celui qui décroît de donner à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Alors, tu vois, regarde. Et là où ce qui est intéressant, ce que j'essaie de vous faire comprendre, il y a un autre passage qui dit, attends, je suis l'étoile brillante du matin. On va finir. Je suis l'étoile brillante du matin. Voilà, regarde. Écoutez bien. Comprenez. Apocalypse 2, 28, le Seigneur dit quoi? Je lui donnerai l'étoile du matin à celui qui vaincra. Je lui donnerai. Apocalypse maintenant, Apocalypse 22, 17. Le Seigneur dit, non, dans le 16, il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous. Oui, 22-16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. En parlant de l'Apocalypse. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant. L'étoile brillante du matin. Apocalypse 22-16. Oui. L'étoile brillante du matin. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que il dit, il donnera l'étoile du matin. Et il est lui-même l'étoile du matin. Christ en nous, l'espoir de la gloire. Tu gagneras, tu triompheras par la révélation. Ce n'est pas en lisant la Bible, en le retenant par cœur, parce que tu auras compris qui sera l'étoile du matin. Oui. 28 à la fin, c'est 22-16. C'est très sérieux, ça. Donc, continuons à nous amourager avec les gens en pensant que, ouais, ils ont la vérité, ouais, parce qu'il est chrétien. Et laissons ça de côté. On va pleurer. Il est l'étoile brillante du matin. Il dit, je donnerai à celui qui vaincra. L'étoile brillante du matin. Il est l'étoile du matin. Il se donnera à toi. Il s'offrira à toi. Comme un époux qui s'offre à son épouse. Voilà pourquoi il dit que l'Église est son épouse. L'époux, il meurt pour toi. Voilà pourquoi il s'est donné un sacrifice pour toi. Voilà pourquoi il t'a tant aimé. Voilà pourquoi il s'est livré pour nous. C'est pour ça qu'il dit, je me donnerai à toi. Je suis l'étoile brillante du matin, je me donnerai. Et si je me donne à toi, tu seras fort. C'est comme les lions ou les lions. Ils envoient les lions au combat. Mais eux, ils sont revêtus d'autorité. Ils savent que les lions les ont donné la souveraineté. Et ils arrivent à battre justement les buffes et tout ça.
Et nous sommes des lions. C'est ça le problème. Et lui, il est le lion de Judas. Et si lui, justement, marche avec toi, si lui te confie l'autorité, dit, bats-toi contre les buffles, bats-toi contre les démons, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Tu ne dois pas avoir peur. Voilà pourquoi il te dit, je t'ai donné autorité. Vous marcherez sur les scorpions. Pourquoi? Parce que j'ai transféré mon autorité. Je suis l'étoile brillante du matin. Je me donne, je me livre à vous. Et vous pourrez triompher. Et là où le diable t'aura, ce qui te fait croire, il ne veut pas que tu comprennes cette réalité-là pour mieux te mater. Voilà. Comme ça, il arrive à te mater. Tu pries deux secondes, tu ne comprends pas qu'il faut te battre, te lever. Il te mate comme ça. Voilà, le frère, il a fait une preuve de foi ce matin. Je n'arrive pas à conduire, mais je vais conduire. Gloire à Dieu. Ah, non, mais gloire au Seigneur. Dieu est bon. Alléluia. Gloire à Jésus. Après, il parle de tout, hein, mais gloire au Seigneur. Bénissons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Jésus est fort. On ne lâche pas, on n'abandonne pas. Non. Mais pour faire quoi? Pour aller où? Pour aller où? Pour faire quoi? Non. Dieu ne t'empêche pas de vivre. Dieu ne t'empêche pas d'avoir ta baraque. Dieu ne t'empêche pas d'avoir ton jardinier. Mais il veut que tu comprennes que le jardinier, le machin, les carottes, les tomates, la belle, c'est lui qui a créé. Donc, ça ne peut pas te retenir. Je suis désolé. Ça ne peut pas te retenir. Non, ce n'est pas possible. Un enfant ne peut pas te retenir. Une femme ne... Non. Ensemble, vous venez. Donnez gloire au Seigneur. Même quand vous êtes chez vous, vous priez. Vous mettez debout. Devenez des vrais missionnaires. Voilà. C'est comme ça. Et après, Dieu parle parfois aux serviteurs, il dit, ouais, tu vois, il y a celui-là qui commence à grandir, hein, tu peux voir. Mais il ne faut pas avoir peur. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour les anciens qui sont là, pour ceux qui sont là, on leur demande de tenir ferme, qui sont là depuis, voilà, pour d'autres qui arrivent. Nous bénissons Dieu pour ça. Et nous savons que Dieu va vous encourager et Dieu va, on le prie, on sait que l'année qui arrive, on prie le Seigneur que chacun, ce qu'il a demandé au Seigneur, il puisse voir ces choses arriver. C'est ça qu'on demande au Seigneur. Alléluia, ça qu'on demande au Seigneur. Nous bénissons son nom, le magnifions dans sa grandeur. On va passer au repas du Seigneur. Au repas du Seigneur. Alléluia. Merci, l'Esprit de Dieu est très fort et puissant. Au repas du Seigneur. Quelqu'un avait une question ou pas? Non? Question? Non. Bénissons Dieu pour son amour, pour sa grandeur, pour sa force. Continuez à prier pour vos frères et sœurs qui n'étaient pas là, vous priez pour eux, que Dieu les garde, Dieu les accompagne. Vous savez, c'est ça, il faut se lever comme un étendard. Comme un étendard, tu es bon. Jésus, Jésus, habille, 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 oh, habille. Alléluia, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est magnifique, alléluia. Merci, gloire à Dieu. N'ayez pas peur, en fait, parce que on aurait peur si Jésus ne nous avait pas dit de ne pas avoir peur. Mais il nous a dit de ne pas avoir peur. Et il se trouve que si tu as peur, il ne se fera pas plaisir. Le Seigneur dit, le juste vivra par la foi. S'il s'en détourne, il ne met, les gens ne veulent pas lui la suite. Hein. S'il s'en détourne, il ne met pas agréable. C'est tout. Voilà. C'est facile, oui, mais s'il s'en détourne, il ne met pas agréable. Voilà. Le produit. Ah, Jésus. Amen. Nous bénissons Dieu et nous bénissons Dieu pour nos ennemis, nous bénissons Dieu pour tout le monde. Nous demandons à Dieu de faire prospérer ceux qui nous aiment ou qui ne nous aiment pas. Il faut prier comme ça. Vous priez pour tout le monde. Vous bénissez les gens. Et comme ça, ça va libérer vos cœurs. Vous n'allez pas être dans la pression, dans l'énervement. Bénissez tout le monde. Et écoutez, il faut bénir les gens. Il faut bénir. Hein. Soyez pas dans les commérages. Soyez pas dans les. Ouais, t'as vu. Non, bénissez les gens. Amen. Quand vous avez un problème dans votre vie, énoncez cette chose quand vous priez. Seigneur, il faut énoncer. Ça m'embête. Même si c'est macabre, même si ça paraît sale, vicieux, on énonce la chose quand tu es seul chez toi. Il faut prier. En priant, tu démasques la chose. Si tu veux. Et la chose te libère. Mais si tu gardes la chose, c'est fini pour toi. Il faut prier. Et tu démasques la chose. La chose est exposée. Et la chose fuit. De ta vie. Il faut savoir démasquer, il ne faut pas rester avec ces choses. Il dit, mais Seigneur,